Ok. Salut. Ça va? On aurait pu venir. J'en peux plus. Bonjour, Mathilde. Mathilde. Ok. Ça va? Bah ouais, carrément. Ouais, du coup, vous êtes tenté par le projet ou? Donc c'est un projet avec les tombées de la nuit. Mm-hmm. Et donc l'idée c'est de photographier les Rennais au réveil. Avec l'idée moi de vraiment saisir un instant qui est hyper court, l'instant vraiment entre le moment pile où tu te réveilles, le soir, là, on passe la soirée ensemble. Mm-hmm. Avant d'aller se coucher, j'installe un studio, donc j'ai un fond noir et deux petits flashs, j'installe toujours le même dispositif partout. Et on fait des tests d'éclairage le soir pour que le matin il n'y ait absolument rien à faire. Et ensuite on cale une heure de réveil. Donc par exemple tu vas me dire je me réveille à 7h. Toi quand ton réveil sonne, il faut que tu n'attendes pas ni la deuxième sonnerie, ni 10 minutes le temps de te réveiller. Ouais. Il faut que quand ça sonne, tu viennes direct. Ce que j'appelle le processus de réveil se fasse vraiment devant moi. J'ai limite l'impression de devoir me réveiller du monde des morts chaque jour quoi. Genre je demande vraiment aux gens de ne pas regarder leur téléphone ni rien, c'est le premier truc qu'ils font, c'est de se lever et d'aller voir la Okay. Il devrait y avoir une première restitution des photos le week-end du 21 mars. On devrait partir coller les affiches partout en Rennes. Ouais. Et les tombées de la nuit ont à leur disposition les panneaux publicitaires aussi. Donc du coup vous serez certainement affichés sur les panneaux publicitaires. Oh bordel. Tu ris, t'attends ton bus. T'es là, t'es le cheval. Ouais. Ok. Voilà, donc il faut juste avoir bien conscience de ça pour ces couleurs, c'est noir et blanc. C'est noir et blanc. Okay. Tu veux voir quelques photos? Ouais. Ouais, j'aime bien. Au départ ça n'avait rien à voir avec ça. Je m'amusais à prendre en photo avec l'iPhone les copains qui passaient à la maison pour m'en faire un mur de personnes se réveiller. Voilà, des tranches du matin. En fin de compte, ce que je découvrais, c'était hyper beau et très très éloigné de ce côté caricatural. Et puis voilà, je trouvais qu'il y avait une fragilité vraiment commune à tous et je trouvais tout le monde très 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 beau au réveil et très fragile. Et ben bonjour. Bonjour. Sur la première, seule et unique, hein, de Mathilde. T'es passé de 0 à 100 très vite, c'est pas? Bah, je m'étais réveillée avant. Il n'y a même pas eu de transition. C'est chouette, ouais. C'est vraiment genre... Ah non, et puis tu vois, avec ton pull, ouais, j'aime bien, moi. Elle est trop belle. Ouais, elle est bien. Enfin, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que celle-ci a un côté... Ouais, il y a un côté où t'es plus enfermée là dans ton truc. Enfin, pas dans un sens négatif, mais... C'est parti. Oh, yes, c'est un acteur, c'est vrai, j'aime beaucoup. Mais oui, j'ai l'impression d'être là en mode... Putain. J'ai eu presque l'impression de prier comme ça. J'aime beaucoup celle-là, ouais. C'est ça, moi, je vois vraiment le côté... Pour moi, c'est de choisir l'intention de la photo, en fait. Ouais. Bah, c'était avec grand plaisir. Et bah super. Super. Tu débrieferas Marie, tu lui diras comment t'as vécu le truc. Bon allez. Ah, bisous, salut, à bientôt, bonne nuit. Ouais, à peu près. Ouais, bonne nuit, ouais. Avec son plaid là, il se met tout le temps comme ça. Bonjour tout le monde, je suis Alice, je ne sais pas si je me suis présentée à tout le monde, mais
Du coup, bah, merci beaucoup d'être là et d'être si matinale. Vous distribuez ces plans-là. Il faut quelqu'un qui est bon en orientation. Hein. Ah, c'est la République, donc moi je vais commencer par vous suivre. Que vous remercier d'avoir participé à ce projet, c'était vraiment super. Aux proches qui ont commencé ce projet avec moi, et puis aux moins proches, aux inconnus, enfin à tout le monde, voilà, à vous tous en fait.